Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans le tuto précédent, nous avons vu comment transférer les photos de WhatsApp sur l'ordinateur en passant par l'explorateur de fichiers. Je vais vous montrer maintenant une autre méthode qui vous permet de télécharger des images ou des vidéos que vous avez reçues sur WhatsApp, mais en passant par WhatsApp Web. Et cela va vous permettre de vraiment sélectionner plus facilement les photos que vous souhaitez transférer sur votre ordinateur. Pour cela, ouvrez votre navigateur internet et rendez-vous sur WhatsApp Web. Donc, je recherche WhatsApp Web. Je clique sur ce lien. Et donc, comme je vous ai montré dans une vidéo qui était dédié à WhatsApp Web sur l'ordinateur, donc il faut que à l'aide de votre téléphone vous scanniez ce code. Donc c'est ce que je vais faire. Le code est scanné, je vais retrouver mes conversations. Donc j'ai retrouvé la totalité de mes conversations WhatsApp. Je vais cliquer sur le groupe que j'avais créé pour la vidéo sur WhatsApp Web. Et ma conversation s'ouvre. Donc, vous remarquez que là, vous retrouvez la totalité de la conversation. Pour pouvoir télécharger ces images, il va vous suffire de cliquer sur les trois petits points qui se trouvent en haut à droite et ensuite d'aller sur Info du groupe. Vous avez les informations sur ce groupe, donc notamment sa date de création, et vous allez trouver la partie médias, liens et documents. Si je clique dessus, je retrouve toutes les photos et les vidéos qui ont pu être envoyées. Donc la vidéo, je la remarque parce que j'ai la petite caméra qui est en bas à gauche, et les autres, il n'y a pas d'information précise, donc ça va être des photos. Si je veux enregistrer cette photo, je vais cliquer dessus. Cette photo va s'ouvrir en grand et il me suffit de cliquer à ce niveau-là en haut à droite sur cette petite flèche avec un trait en dessous. Et mon image se télécharge. Ensuite, je peux faire défiler les différents éléments avec la flèche qui se trouve à gauche et à droite de l'écran. Je veux prendre cette image, je recommence, la flèche vers le bas, je télécharge et ainsi de suite. Donc je télécharge, je charge la vidéo de la même manière. Il me suffit de télécharger et cette vidéo s'est chargée. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous rendre sur votre explorateur de fichiers. J'étais sur Chrome, donc tous mes fichiers sont partis sur téléchargement. Je double-clique dessus et je vais bien retrouver toutes mes images. À moi maintenant de sélectionner par exemple la vidéo et de la mettre sur le dossier vidéo et mes images. Je vais pouvoir les glisser sur Images. Cette méthode-là va être plus simple, étant donné que vous allez vraiment pouvoir conserver que les photos qui vous intéressent d'une conversation bien précise. Et au moins, de cette manière-là, vous visualisez, avant de télécharger, l'image qui vous intéresse. Nous en avons terminé pour les téléchargements d'images sur WhatsApp. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment organiser le classement de tous vos fichiers en créant des dossiers et des sous-dossiers. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Prenez bien soin de vous et à bientôt.